Next avec les pépites, on débarque avec la première pépite. Pépite 1, à malin, malin et demi. Moi, je vous ai déjà dit, affaire de couple, là, on va se blesser ici. Il a envoyé un message. Il a envoyé un message à qui? À sa chérie. À sa chérie, il dit quoi? Il dit bébé. Il dit bébé, bébé quoi? Quoi? Je suis désolé de t'avoir trompé. Je suis désolé de t'avoir trompé. Elle a répondu. Elle a répondu quoi? Toi au moins tu m'as trompé. Toi au moins tu m'as trompé. Moi je me marie la semaine prochaine. Moi je me marie la semaine. Elle va go djoula semaine, go baouler aussi souvent pour faire ça. Surtout si elle a eu un bluff, ouais. Bon, entre vous deux là même là, c'est qui est sorcier? Ah non, ça là c'est la go qui est sorcière. Je sais pas, parce qu'il y a un qui trompe son camarade et puis l'autre s'en va se marier. Bon, votre couple là, ça fait peur quand même, hein. Ah! Pépite 2, merci manager. Le rôle d'un manager est de défendre son artiste et de le protéger, surtout protéger ses intérêts. Et ça, Jules Beco, le manager de Suspect 95, l'a bien compris. Le gars a fait un poste. Qui a fait un poste? Trésor officiel. Et le gars, il s'appelle Trésor officiel. Il a posté quoi? Il a dit quoi? Il dit quoi? Pourquoi Suspect 95? Pourquoi Suspect 95? Porte toujours manche longue. Il porte toujours manche longue. Il connaît pas Petit Ressort encore, Jules Beco. Il connaît pas Jules Beco, Petit Ressort. Jules Beco est venu commenter. Il a dit quoi, Jules Beco? C'est à cause de ses faux ongles. C'est à cause de... Comment quelqu'un peut aller porter manche longue, chemise manche longue, à cause de faux ongles? Jules Beco, ton maudia. Mais en tout cas, c'est bien, Jules Beco, c'est bien. Parce que tu respectes vraiment ton travail. Bon, maintenant, celui qui est garçon, là, n'a qu'à aller poser question bizarre encore à Suspect 95. Suspect même là, lui-même ça bouge déjà même avant même là. C'est bizarre. Non, maintenant Jules Beco encore. Et les deux associations là, non. C'est un cocktail Molotov. Ouais, long. Pépite 3, Ramadan 2022. Mais j'ai dit, oh, de toute façon, il n'y a pas l'argent à l'heure là. Ramadan 2022 là, ça a chauffé, hein. Ça a chauffé dès. Ah. Le gars dit. Il dit quoi? Si vous ne me voyez pas connecté deux jours là. En tout cas, deux jours là, si vous ne me voyez pas connecté. Sachez que j'ai vendu mon téléphone pour payer bazin. Si vous ne me voyez pas connecté, c'est que j'ai vendu mon téléphone pour aller acheter bazin. Ça, c'est Abou Dougouno. On est... En tout cas, mon ami, tu as raison. Et Ramadan, là, c'est mieux que portable. En tout cas, moi, je te soutiens. Vraiment, je te soutiens. Mais quand ça a fini, tu as grouillé pour aller acheter aussi un autre portable. Mais Ramadan, sans bazin, c'est comme couper les calés sans roucascasse. Vraiment? Allez, tchè tchè bah, madame Akuruza moulé. Zou. Alors, pépite 4, hé hey, femme, les femmes ne finiront jamais de nous étonner. C'est-à-dire, quand tu penses avoir tout vu avec elles, bim, il y a un nouveau dossier en même temps. Le gars lui demande. Il lui demande quoi? Parle-moi un peu de toi. Faut me parler un peu de toi. Ce que tu aimes ou pas. Ce que tu aimes ou bien tu n'aimes pas. Elle a répondu. Elle a répondu quoi? J'adore recevoir les dépôts. J'adore recevoir les dépôts. J'aime marcher pour aller faire retrait aussi. Et quand je reçois les dépôts, j'aime marcher pour aller faire retrait. Est-ce que le gars a écrit encore? Il n'a plus écrit. Ah bon, il a fui. Il a oublié le numéro là. Ouais, ma chérie. Donc toi, tout ce que tu aimes dans ta vie là, c'est lié à l'argent. Mais elle n'a pas tort quand même. Ouais. Mais quand on vient pour te draguer, c'est comme si on partait faire retrait à la banque quoi. En tout cas, ma chérie, c'est bien pour toi. J'espère que tu as trouvé un mari dans ça, là, encore. En tout cas, c'est pas moi. Moi-même. Moi, quand c'est comme ça, il devient ami en même temps. Même Sèvres. Jamais.